Hello tout le monde, c'est The Fire Zephyr et aujourd'hui on se retrouve dans les secrets de Pent. Mais on va pas vous faire comment faire un film d'animation partie je ne sais pas combien. Peut-être 10. Non, mais par contre, c'est toujours pas fini, mais on va faire une pause entre ça sera enfin cet épisode-là sera un entre deux. Parce que je pense que vous devez vous ennuyer à force que je fasse tout le temps la même chose toutes les semaines. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur comment faire un speed art. Et déjà, je vais vous donner quelques conseils. Bon, je ferme mon rideau parce qu'il y a des gens là dehors. Voilà. Bon. Donc alors perso moi je fais ça à chaque semaine donc j'ai 4 thèmes différents donc enfin j'appelle ça des catégories. Donc catégorie numéro 1 ce sont les combats. Donc là je vais faire un catégorie numéro 1 combat. Catégorie numéro 2 c'est soit je fais un portrait d'un animal ou soit je fais des familles, des animaux en famille ou tout simplement en famille. Voilà. Et donc, numéro 3, c'est la catégorie 3, c'est tout ce qui est divers. Par exemple, s'il y a le concours de dessin, d'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans la description qui ira à ça. Donc, le concours de dessin qui se termine bientôt. Vous n'avez plus que 20 jours. Il faudra que j'y pense à vous faire un petit rappel. Ouais. Et donc j'ai toujours pas reçu de dessin pour l'instant. Donc en même temps je fais un petit appel. Donc c'est le dessin Simba sur un superstar. Donc vous dessinez Simba. Donc là je vais mettre une image de lui. Et donc vous le dessinez par exemple en Rockstar ou un truc comme ça. Et puis là vous avez plus que 20 jours et j'ai toujours reçu aucun dessin. Donc vous envoyez ça à Zanimos. J'aime les@gmail.com. Et puis voilà. Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour participer. Oui. Donc et puis toujours pareil. Donc les lots, c'est quand même bien que si vous ayez votre pub. Hein. Je fais de la publicité donc. Pour vos chaînes. Et aussi, donc là, je peux vous faire un speed art comme vous voulez quoi. D'ailleurs, je prends sur commande. Mais je peux vous faire le logo de votre chaîne. Avec, comme vous voulez, hein, à la main, à l'ordi, enfin voilà. Et donc, ça sera certainement dans les catégories numéro 3. Mais donc, vous fonctionnez comme vous voulez pour les speed art. Soit vous faites comme moi avec des catégories, donc vous pouvez vous en inventer comme vous voulez, hein, autant que vous voulez. Vous essayez de faire ça assez régulièrement. Bon, au préférable, vaut mieux faire un speed art toutes les semaines. Et donc, oui, donc. Donc, sinon, vous pouvez dessiner ça sur commande ou faire selon les idées qui vous viennent. Bon, alors, je vais vous dessiner un speed art. Je vais vous faire montrer comment faire un speed art spécial combat. Donc, bien sûr, je dis avec Paint. Donc là, je vais allumer Paint. Donc, si vous avez des catégories comme ça, essayez de trouver à peu près qu'est-ce que vous voulez dessiner. Et en pensant, les musiques, vous pouvez... Donc ça, pour l'instant, on va parler du dessin. Après, je vais vous parler du montage qui va avec. Donc, je vais voir à peu près à quelle heure nous en sommes. Nous en sommes à 4 minutes. Donc voilà. Donc bien sûr, je vais peut-être vous faire des ellipses centres. Mais ou alors des accélérés par quand je dessinerai par exemple, sauf au moment où j'expliquerai. Et peut-être que celui-là il sera en deux parties. Comment faire un speed art, à mon avis, ce sera en deux parties. Et donc je vais essayer de faire vite quand même pour trouver l'idée. Donc on va sur Google, vous trouvez des modèles de dessin. C'est beaucoup mieux. Puis au préalable, avant de dessiner, essayez d'avoir une idée avec
exactitude à peu près de ce que vous voulez faire. À peu près parce que vous pouvez toujours changer de choix à dernière minute. Donc moi je vais faire un truc combat. Vu que j'ai envie de mettre la musique Titanium, si je peux, parce qu'on sait pas avec les droits d'auteur, en fond, et ben je vais choisir de faire un combat dans lequel il y aura un homme de titane. Parce que quand elle dit I am Titanium, ça veut dire je suis en titane. Bon, bref. Image, hein, quand même. Homme de titanium. Est un super vilain appartenant à l'univers des Marvel. D'accord. Bref. D'accord. Bon, tout simplement, le titane, c'est du métal. Donc je fais un combat, un homme de métal contre un dinosaure. Oui, je sais, c'est un peu con. Homme de métal. D'accord. Simplement un golem de fer. Golem métal. D'accord. Donc là, vous cherchez dans les images à peu près qu'est-ce que vous voulez. Puis essayez au préalable d'avoir plusieurs images. Et des personnages, vaut mieux qu'ils soient dans la position que vous voulez. Bon. Un golem de métal. Bon, ça, c'est pas un golem de métal. Bon. On peut dire que ça peut aller, par exemple. Et on peut toujours essayer de lui faire les bras un peu plus en avant pour... Par exemple, il balance des trucs. Là, il est pas en métal. Là, c'est l'enterre. Bref. Donc voilà quoi. Vous faites copier l'image. Et dans votre peine, donc vous l'avez agrandi au préalable, mais vous restez à 100% quand même. Voilà. Donc vous mettez votre image. Puis au préalable, choisissez plusieurs modèles parce que si vous n'arrivez pas à dessiner un, eh bien vous en dessinerez l'autre après. Voilà, par exemple, on met ça en plus. On copie l'image et coller. Donc, je vais le faire battre contre un dinosaure, mais peut-être un tyrannosaure. C'est bien les tyrannosaures. Donc là, on va chercher un tyrannosaure. Non. D'accord. Tyrannosaure. Bon. Vous essayez de vous en trouver un comme il faut. Alors. Ça, c'est un spinosaure. Celui du début, t'es pas mal. Mais je cherche, il n'y aurait pas mieux. Ah, ça, je connais, j'avais été à ce parc-là. Mais ça se voit trop que c'est une statue. Bon, dans un sens, on peut pas vraiment savoir à quoi ça ressemble exactement. À part aux os. Bon. Ça, c'est pas mal, sinon. Ah, sinon, on précise un peu mieux. Attaque.
Puis si on trouve plus rien, et ben. D'accord. Bon, sinon celui-là il est pas mal. On va le garder en réserve, de toute façon, il vaut mieux en avoir deux de côté. Puis j'essaye de faire vite parce que quand même le temps il passe vite. Bon, de toute façon, vous savez, ça sera en deux parties. Hein. Bon, alors je le mets là. Il faudra un décor. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'idée de décor, mais pourquoi pas un truc en lave, mais quoique là, ça fait trop. Sinon, vous inventez le décor. Vous le mettez il est peut-être pas mal, on imagine, et comme ça, il y a le bonhomme en métal. Bon. Faut là vous voilà vous mettez un maximum d'images mais pas trop. Évitons de dépasser genre bah vaut mieux avoir beaucoup d'espace là c'est bien. Donc je vais vous faire une pause le temps de trouver une idée. Re tout le monde c'est encore The Fire Zephyr. Donc je pensais qu'on pourrait faire ça dans l'idée d'un paysage apocalyptique. Donc de ciel là copier là. Coller ça je vais garder bah, déjà juste ce ciel genre avec un ciel rouge mais il y aura un espace de lumière qui irait sur l'homme de titane voilà bon. Ensuite, ben, on continue à rechercher du genre. Je vous refais une petite pause. Donc voilà, je me suis dit qu'on pourrait laisser ça dans un humeur de feu. Donc j'ai copié cette météorite. C'est-à-dire qu'il y a plein de météorites. Voilà. Et puis le sol, et ben on va faire. Là, il n'y a plus beaucoup de place, mais bon, on va faire un sol tout noir avec des brindilles. Bon, alors une fois que vous avez trouvé toutes vos images, pour pas vous confondre, alors vous tracez un trait au milieu, donc hauteur 2 en général. Quoique ça va pas suffire. Ouais, bon. Donc voilà, vous essayez de le mettre au maximum de ce que vous pouvez. Donc une taille comme ça, c'est convenable. Vous pouvez faire plus petit, hein. Mais sinon, comme ça va, c'est convenable. Donc, vous ferez sur cette taille-là. Bon, alors, je vais arrêter. Enfin, pas tout de suite, donc là. Donc, je vais d'abord vous dire. Donc, ensuite, faut filmer. Et donc, il vous faut un logiciel de capture d'écran. Donc, si vous en avez pas, bah, je vais vous montrer. Je vais aller donc. Alors, par exemple, vous tapez sur Google logiciel capture d'écran gratuit. Ou alors, bah, pour avoir le mien, je sais plus quand je l'ai eu, mais bon. Début, ça va être un truc genre. Registreur de. Gratuit donc bah sinon il y a des tutos sur internet je crois que c'est comme ça que j'ai vu donc ça bah c'est un peu la barre de ce que j'ai donc je vais voir je vais mettre en recherche web logiciel capture d'écran vidéo donc comment ça marche point net ça. Enregistreur vidéo de quand même télécharger gratuitement. Enfin, il y en a plein sur internet, quoi.
Logiciel de capture vidéo, enregistreur vidéo. Donc, du genre, on va cliquer là. Donc, je sais pas. Donc, il y a plein de trucs. Bah, là, il y a écrit vous pouvez prendre ça. Donc, ou alors, vous cherchez sur YouTube comment trouver facilement un logiciel gratuit. Bon, bah là, c'est un comment ça marche. Et bon, c'est plutôt simple à trouver gratuitement. Donc là, il a eu un bug. Donc, je vais essayer de voir un peu. Télécharger, oui. Vous pouvez, oui. 01.net, c'est bien ça pour télécharger. Bon, peut-être que le mien, un jour, je le renouvellerai, mais pour l'instant, il me convient. Même si on n'entend pas le son de mon PC, mais ça va. Dans l'ensemble, je trouve qu'il est plutôt bien. Enfin, c'est un logiciel plutôt simple, après. Donc, là, vous mettez au format que vous êtes. Bon, personnellement, moi, c'est... Je suis en Windows. Bon, ici, vous pouvez télécharger plein de trucs. Hein. D'ailleurs, c'est même là que j'ai eu pen.net. Donc, bref, on revient là. Donc, ensuite, bah, quand vous avez votre logiciel de vidéo, vous faites simple, vous lancez le truc en appuyant du genre sur un bouton comme ça, enfin, personnellement, si vous avez des buts. Donc, là, je vais vous quitter temporairement. Puis je vais reprendre comme si c'était quoi un speed art. Bon, alors là, quand vous avez appuyé dessus, ça débute. Et au début, ça bug un peu. Même beaucoup. Donc là, moi, je voudrais bien avoir le crayon. Donc, si vous n'arrivez pas à visualiser dans votre tête comment retourner son bras, par exemple, à lui, et ben vous pouvez essayer de dessiner le bras de l'autre. Ça peut faire bien un petit mélange. Bon. Re tout le monde. Et donc là, je vais vous montrer que bah, des fois, il n'y a pas que pour l'effet fourrure qu'on a besoin du spray. C'est bien aussi pour l'effet des écailles et tout. Et moi, voilà, on a appliqué un petit peu là. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. Show me down, but I'm on fire. I am like dead. Show me down.
petit peu sur le milieu. Voilà. Un petit peu là. Et voilà le dinosaure. Tout le monde. Et donc là c'est presque fini. Je vais juste faire le finissant. Yes. Donc un peu proche. Alors, donc, rebonjour tout le monde, c'est encore The Fire Zephyr. Eh bien, donc, une fois que vous avez enregistré votre vidéo, eh bien, je pense que déjà pour vous y retrouver, bah, vous pouvez renommer votre truc. Donc, moi, perso, je vais le faire. Alors. Alors. Ça, je comprends pas. Alors, renommé. Alors, donc c'était pas à vous que ça s'adressait, c'était quelqu'un qui était rentré dans ma chambre sans frapper, comme d'habitude. Bon alors, on va le renommer donc plus facilement. Donc pourquoi 2T? Parce que titanium 1T, tyrannosaure 2T. Enfin, deuxième T. Donc voilà. Vous enregistrez ça. Ça en va. Ensuite, vous enregistrez votre image. Donc, si vous faites souvent des speed art. Bon, là, j'attends juste que ça marche. Si vous faites souvent des speed art, normalement, vous devriez avoir un dossier speed art. Donc, il faut l'enregistrer dans ce dossier. Enregistrer sous. Bon bah elle met du temps à s'enregistrer quand même. Bah, en tout cas ça met surtout du temps à réagir. Mais bon ça c'est mon ordi, on n'y peut rien. Donc on va attendre. Bon bah alors celui-là comme j'ai dit donc il paraîtra dans une deux trois. Il paraîtra le mois prochain. Je crois, ouais. Donc, voilà. Voilà. Bon. Normalement, je suis dans le bureau là. Eh bien, je comprends pas pourquoi c'est aussi lent que ça. Purée. Mais non! Mon ordi est d'une lenteur incroyable et il est super énervant. Bon. Non! Purée! Trois ans plus tard, j'ai réussi enfin à atteindre le dossier Speed Art. Bref, rebonjour tout le monde. Et donc, avec exactitude, nous allons nommer ce dessin Titanium versus Tyrannosaure.
Mais je vais pas regarder. Mais je vais pas regarder, je suis occupée, je fais une vidéo. Rebonjour. Bon, alors, Titanium versus Tira. Bah, T-Rex quoi. Ou plutôt, ouais. Tyrannosaure, et je suis pas sûre de comment ça s'écrit. Donc voilà, et nous, bah, perso, nous allons nous dire à la semaine prochaine.